Salut les viewers, c'est Marcus. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. On va prendre ce personnage, Ana. On va bien voir si ça vaut le coup ou pas. Et si oui ou non, il y a moyen de gagner ou pas. Ça serait sympa, gagner au moins une game. Tu ne sais rien, Jon Snow. Bon, je vous laisse passer devant, c'est vous les heals. C'est où les tanks, pardon. Quoi? T'es sérieux? La portée du marteau! Et notre tank qui fait que de la merde! Bon, au moins, ils en ont eu un. Eh, bouge! Mais réfléchis! Ah non! C'est pas le même! Non. Allez! Mets ton clic! Oh, t'es sérieux? Bon, piquer un heal, c'est pas la peine. Hop, et de 1. Hop. Oh, dans une carte comme ça. Putain. Hop. Hop. Non, pas tout de suite. Il. Et il va se planquer. Ah merde. Hop. Salope. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Phew! Sans, forcément, ne pas en baver. Sans trop de facilité, on va dire. En plus, j'ai pas la même position de jeu, parce que j'ai plus le volant. Avant, j'avais le volant qui venait là, et je me posais, en fait, directement sur le volant. Bon, c'est une position particulière, mais ça permettait d'avoir une position fixe. Et là, faut que je récupère des manières que j'avais, des manières de jouer qui ne sont plus les mêmes. Bon. Seriously? Merde, j'espère que je l'ai pas viré dehors. Oh! T'es sérieux? T'es sérieux? Donc on va se bouffer!
Voilà. On repart. Faudrait, quand il y a un lever, Blizzard, écoutez-moi, quand il y a un lever et que la partie est terminée, s'il y a plus d'un point qui est emporté, le lever, lui, est handicapé et les autres gagnent au moins un cran de coffre. Ça me semble logique. Compte tenu de la toxicité de la communauté, il faut récompenser ceux qui ne le sont pas. Faut pas les enfumer. Parce que finalement, une personne qui joue avec des levers, une personne qui, comme moi, joue avec des levers parce que voilà, je finis par avoir des levers parce que je sais pas pourquoi, parce que j'ai bousillé mon MMR ou pour n'importe quelle autre raison. Justement, le MMR devient mauvais parce qu'on n'arrive jamais à finir nos parties. On finit des parties avec moins de joueurs, donc on perd, on perd, on perd, on perd. Et donc, vous continuez à jouer avec des levers. Merci Blizzard. Principe du MMR. Débile, 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 débile. Il serait temps de corriger ça. Parce que bon, sinon ça va être catastrophique. Sinon, ça va être catastrophique, c'est pas normal. Mais bon. C'est comme ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien, chers amis. Et quand le jeu nous dit 30 secondes d'attente estimée, on est déjà à plus d'une minute 20, c'est génial. Alors, certains m'ont dit que c'est parce que j'avais report tellement de gens qu'en fait, ces gens-là ne jouent plus avec moi. Parce qu'en fait, comme je les report, je ne tombe plus dans leur groupe. Si seulement! Si seulement, si seulement. D'accord. Eh ben, on a un Hanzo déjà. Je vais rien dire, hein. Il se peut que ce soit un bon Hanzo. Qui sait? Qui sait, qui sait? Et là, en troisième personnage, on a. Ah bah oui, bah bien. Putain. Oh, ça me saoule. Bah, vous avez intérêt à. Voilà, normalement, il devrait y avoir un kill là, puis un deuxième. T'es sérieux? Putain, cette Anna me saoule. Ce serait peut-être temps que vous fassiez les kills, hein, bande de. Ah bah non, on a déjà perdu quelqu'un. Bah oui, parce qu'il y avait deux snipers, donc forcément. Hop! Allez! Voilà, problème résolu. Bon, et de une. Non, s'il vous plaît, refaites pas pareil. Refaites pas pareil. Mais il est présent ou pas, cet homme? Oh là 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 là. Il va refaire pareil. S'il me repique. Une fatale. Anna, pourquoi deux snipers? Pourquoi deux snipers? Enfin bon, c'est pas grave. Merde, j'ai raté. Ah bah bien. Bien. Bon, bah voilà. T'as juste du bol. Et voilà, t'es mort. Pourquoi Hanzo? Pourquoi Hanzo? Pourquoi Hanzo? Pourquoi Hanzo? Enfin bon, c'est pas grave. Finalement, j'ai l'impression de me retrouver tout seul, tout le temps. Parce qu'on a un Hanzo qui est trop derrière, une Anna qui est trop derrière. Mais c'est pas grave, les gens veulent absolument jouer leur pick de perdant. Bah c'est bien, tant mieux. Enfin, de manière de. Voilà. Donc là, on a en fait une Anna DPS et un Hanzo DPS. What?
Merde, je croyais qu'ils allaient. Merde! Alors, faut savoir qu'elle peut peut-être me buter. Elle est au-dessus. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ça fait deux. Ça fait deux. Crac, la suite. Ah. Voilà. J'ai trouvé mon nom d'épisode, chers amis. Blizzard réfléchit. Oh la merde. Point décisif. Et on a quoi? Toujours Onzo. Quel dommage. Et je suis tout seul. Il me saoule ce Hanzo. What? Mais non! Mais non! Hop. Ah bah merde, j'ai le combo cancer. Hop. Eh merde. Elle va me faire que ça, hein. Putain. T'es sérieux? T'es sérieux? You die first, c'est tout, hein. C'est bien de dire ça, mais tu sers à rien, hein, tu sais, hein. Ah bon, j'ai pas vu ça encore. Mais non, mais t'es sérieux? Ouais, bon, y'a pas de kill de fait quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Et voilà, rect. Bon, bah, c'est pas grave. Oh la gueule. Alors là, je demande à voir. Tu me saoules. Moi, ça me saoule, ce genre de trou du cul. Je suis tellement mieux sans ces gens. C'est dingue. Ah, c'est franchement, vous voyez le genre de personne sur qui je tombe? Enfin, je sais pas, c'est... Enfin... C'est le cycle vicieux, parce que une personne normale tombe sur des vies toxiques, devient toxique, et... Enfin, c'est débile! Putain! Ça me saoule, ça me saoule! Ça fait 6 parties, 7 parties que je vais avoir fait, je vais tomber que sur des trous du cul! Sauf une fois!
sauf une fois. Et on a perdu quand même. Donc je dois vraiment être mauvais. Je suis mauvais, c'est sans doute le cas. Mais, c'est pas possible, les trous du cul pareil, quoi. Oh, la gueule. Ah, moi, ça me... Pfiou. Il est 18h, j'aurai tourné donc trois épisodes dans la journée d'Overwatch, un de démo sur Oasis, et deux défaites sur le putain de mode arcade rempli de connards. C'est dit. Voilà, je rage, vous êtes contents? C'est débile. Ah, tiens, elle aussi aime moi parler. Bonjour. Je capte pas pourquoi, mais pourquoi pas. Bon, c'est pas grave. On va jouer des picks différents. Hein. On va jouer des picks différents. On verra bien. Parce que le problème, c'est quand tu joues des picks différents, tu te fais insulter. On va jouer qui? On va jouer Genji, tiens, vu qu'on a le ski. What? Bon, bah moi aussi je vais prendre Fatal. J'ai envie. Oula. Hop. Oh. Et attends. Comment ça se fait qu'elle était pas dans le radar? Comment ça se fait qu'elle était pas dans le radar? Noob Team, au fait, oui, excuse-moi, Noob Team. Moi, la toxicité, c'est comme ça que ça se règle. Si, non, pas signalé, ça serait, non. Ça serait trop beau. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, moi, je lis plus de conneries. Voilà. Effectivement, j'aime me retrouver tout seul sur le jeu si ça continue comme ça. Hein. J'ai envie de prendre Mei et de bloquer Noah, si possible. Parce que j'ai vraiment envie de le troll. Ils sont offensifs au moins. Hop. Voilà. Voilà comment on voit les textos maintenant. Ah oui, c'est une réponse. C'est plus personnel. Peut-être pas repartir avec une fatale, vu qu'il y aura pensé. Peut-être plutôt un monkey, ça va être rigolo. On tombe vraiment sur des cas. Ok. T'es sérieux là? What? Ah, je voudrais bien voir ton aim.
Il a pas loupé un seul tir. Ça y est. Putain, le mec, il est balèze, le Noah. Tu me diras, je suis gros comme c'est pas permis aussi, mais bon. Voilà, GG à lui. Oh la vache. Oh Léana. Oh là 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 là. Oh la gueule. Ah c'est du high level hein. Du vraiment high level. Hop. Oh la gueule, il est venu me chercher! Oh la vache, bon j'ai été mauvais. J'ai été mauvais. Bon par contre toi tu me saoules, tu parles de trop et t'es trop insultant aussi. C'est dingue hein, c'est quand même dingue chers amis. Hein. C'est quand même dingue. Bah oui bien sûr on ressort les pics débiles. Bah vas-y alors. Pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi ça me tombe dessus? Ça partait tellement bien. Est-ce qu'il se passe le mot? C'est pas possible. Ah bah oui! Donc on perd le heal. Donc grosso modo, si... Ah la vache. Hop, dommage. GG, j'ai rien dit. Bon bah, ça fait une victoire en deux épisodes, c'est cool, le ratio est génial. Mais enfin bon. Alors, on a un qui tourne au dos, hein, qui est pleine face et moi qui regarde en haut. C'est génial. C'est absolument génial. Enfin bon. Bah écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là, je pense. Moi, je vais avoir de la popote à faire. Il aurait fallu que je tourne un autre Elite Dangerous, malheureusement ça ne va pas être possible aujourd'hui je pense. J'ai 5 vidéos à monter, dont une de 2 heures, une d'une heure et demie, je suis pas couché. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop!